Bonjour, comme vous le savez, le mois dernier, on a pris la décision de documenter un petit peu plus le résultat de tout ce qu'il y a à vendre en boutique Objectif Éco. Donc pour l'instant, je vais m'exprimer en mon nom parce qu'on a encore un peu de mal à centraliser toutes les datas, mais après, je parlerai également de ce qui se passe pour les autres auteurs. Et nous, ce que nous souhaitons en fait, c'est nous exposer pour le pire et pour le meilleur avec les pertes et les gains et d'observer comment ça vieillit dans le temps sans cacher. Comme fait tout le monde, je trouve ça de plus en plus insupportable, cette espèce de finance fictive qu'on nous vend sur les réseaux sociaux. Ou alors les banques aussi, vous savez, qui ont des fonds. Et puis quand les fonds foirent, elles les fusionnent avec des fonds qui ont des belles performances et elles, comment dire, désactivent les fonds perdants de manière à maintenir une gamme qui a l'air propre. Donc la finance triche régulièrement pour raison commerciale. Alors que je pense que même si c'est hardcore, la finance, ça aide à apprendre la vie, justement par son côté implacable, ses sanctions implacables. Et donc les pertes, c'est ce qui nous rappelle, c'est ce qui nous secoue le cerveau en fait. Donc voilà, mon parti pris, c'est d'exposer les gains et les pertes désormais. Et donc je vais faire ça chaque mois. Alors comme vous savez, actuellement, j'ai deux stratégies en vente. Une depuis le début de l'année, portefeuille Charles 2030, et une que je jouais, encore une fois officiellement, je jouais pas portefeuille Charles 2030, je jouais les 6 actions du mois. Et donc on va regarder en détail ce que ça donne en novembre, surtout que maintenant, comment dire, ça a un mois que c'est publié depuis un mois, donc officiellement, donc on peut plus même dire, on peut plus dire que voilà, que c'est du marketing. Alors les résultats sont pour mitigés. Charles Portefeuille 2030 a fait un mois légèrement négatif à moins 0,50 en novembre. Alors l'idée c'est de regarder sur un an glissant, puisqu'on n'a pas encore un an glissant depuis la publication, on regardera depuis la publication. Sur un an glissant, on est à 18% de gains, ce qui est beaucoup pour la stratégie, c'est trop même. C'est une stratégie qui est designée pour faire entre 10 et 15% par an. Donc là on a toujours un excès, d'ailleurs elle stagne depuis 6 mois, il y a eu trop de gains précédemment. Pourquoi c'est trop? Tout simplement parce que par rapport à l'équilibre statistique sur 20 ans, les excès positifs de gains, généralement ça se corrige dans le temps en stabilisant les performances. Donc, et puis c'est une stratégie basée sur en utilisant la logique des moyennes mobiles, donc c'est des stratégies qui font peu de pertes cumulées. Donc sur un an glissant, on a moins 3,50 de retour de pertes, ce qui est vraiment assez faible par rapport à un gain de 18%. Depuis la publication en mars, sur Objectif Éco, on était autour de 10 700, 10 800. Donc là, en étant à 11 800, bon, on est toujours en gain de 10% sur 9 mois. C'est plutôt cohérent. Voilà, c'est une progression qui est plutôt cohérente par rapport à l'historique des 20 dernières années. Donc cette stratégie, je vous rappelle, va être intégrée. Là, sous les jours qui viennent, dans la nouvelle offre Université Investisseur. Donc, les gens qui sont clients de portefeuille Charles Portefeuille 2030 vont obtenir un accès à Université Investisseur. Et donc, tout ça va être intégré à terme sous une seule étiquette. Alors, par contre, j'ai séparé, parce que ça a rien à voir avec les 6 actions du mois. Ça, c'est mon projet de l'année 2021. Alors, je vais vous montrer ce qu'il a donné. Il est un peu fou, ce projet. Alors les 6 actions du mois, ça a fait un mois légèrement positif, plus 0,50%. Pareil, un projet qui, depuis 6-8 mois, il y avait trop de gains en fait, c'est un projet qui stabilise dans le temps. Les performances sont beaucoup plus puissantes que sur Charles Portefeuille 2030. Néanmoins, on avait fait une hausse de folie au début de l'année. Donc sur un an glissant, on est quasiment à 40% pour les pertes cumulées de 6%. Mais en fait, depuis avril, moi j'ai démarré en mars. Donc en fait, je suis légèrement positif. Alors ça suffit, hein. Ça fait 8% de gain, voilà, sur la période. Mais voilà, ça, j'en attends un peu plus que 8% sur 9 mois. J'en veux plus de celui-là. Donc on va voir comment ça vieillit. Je ne serais pas surpris qu'il se passe des choses sur cette stratégie. Et ensuite, comme vous savez, il y a un bonus. C'est les 3 actions du mois. En fait, c'est offert avec les 6 actions du mois. C'est juste la version plus agressive des 6 actions du mois. Alors là, c'est la folie. Voilà. Là, c'est la folie. Alors pour le coup, statistiquement, c'est un peu dément. Donc sur un an glissant, ça gagne 72% pour un drawdown de 4%. Délirant. Et les chiffres ont été publiés sur l'espace client. Hein.
Donc sur le mois qui vient de s'écouler en novembre, ça fait 6 ou 7% de gains là, cette barrière-là, là, cette barre-là. Depuis mars, en fait, 42% de gains depuis mars. Voilà, le mois dernier, on avait fait 14% en octobre. Là, on refait 6%, ça fait 20% de gains en 2 mois. Ça confirme ce que je pense depuis un an, c'est explosif. Les 6 actions, pour moi, là, ça fait une bonne pause. J'ai regardé statistiquement. Le souci, c'est que, comme j'expliquais sur la page de vente, depuis 2008, la Fed, là, le démarrage du QE, ça, c'est un rolling return. C'est-à-dire qu'en fait, ça trace la performance sur 3 ans glissant de la stratégie. Alors, pour moi, c'est assez important. Je pense que quand on fait du quantitatif, et après, c'est sur 60 mois. 60 mois, je regarde moins. Mais sur 36 mois, ça m'intéresse parce que c'est à peu près l'horizon qu'on a tous régulièrement en tête quand on commence à investir sur les actions pour du moyen-long terme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2008, avec le QE de la Fed, le risque sur les marchés est complètement sous contrôle. Et on le voit bien. La rentabilité de la stratégie est moindre depuis qu'il y a, bah, il y a plus de liberté sur les marchés financiers, on va dire par leur nom. Et en fait, on est en haut, en fait. Sur le range, sur 36 mois, on gagne 40% sur 36 mois. Le souci, c'est que cette stratégie elle a énormément gagné en 2020. Et le surcroît de performance jusqu'à mars-avril 2021, ça lui a mené en haut de range sur 36 mois. Donc, je m'attends à une certaine forme de stabilité. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre quand on est en haut de range, ça veut dire juste que les gains progressent moins vite qu'avant. Donc, ce qui est fun, c'est quand on démarre une stratégie en bas de range et que bah, les gains accélèrent, donc du coup, on se met à gagner gros. Là, je pense que sur les 6 actions du mois, je m'attends plutôt à des gains standards, normaux, sans accélération. Donc, alors que les 3 actions du mois, il y a de la place. Justement, on était en bas de range. C'est pour ça que fin septembre, on était en bas de range, comme vous pouvez voir. C'est pour ça que je l'ai lancé, je l'ai rajouté pour accompagner les 6 actions du mois. Parce que tout simplement, par rapport à l'historique depuis 2008 et le contrôle des marchés par la Fed, la stratégie a avancé moins vite par rapport à ses moyennes historiques. Et là, on a un rattrapage qui est fulgurant, quoi. C'est assez effarant ce truc. Ce truc, c'est moi qui l'ai créé, ça me bluffe en fait. Et donc là, ça vient de prendre 20% en ligne droite en 2 mois. Enfin, bon, bref. Ça, c'est un outil que j'utilise énormément pour traquer les stratégies que je développe. C'est la performance sur 3 ans glissantes avec les moyennes historiques. Et puis, ce qu'il y a de bien avec ce genre de stratégie, c'est qu'on a un retour sur 20 ans. Alors là, affiché, il y en a 15. Et donc, ça permet de bien situer par rapport au marché, par rapport à ce qu'est en train de faire la stratégie. Voilà ce que je pouvais dire pour ce premier bilan sur les 3 stratégies que je propose.